Bienvenue, bienvenue dans ce moment de retour à vous-même, dans ce moment où je vais vous guider avec ma voix pour que vous reveniez dans votre profondeur comme à la pêche aux ressources qui sont déjà là en vous pour que vous puissiez puiser en vous des qualités qui sont déjà présentes en vous et dont vous aviez notamment oublié que vous disposiez de ces atouts-là. Alors, quoi qu'il se passe dans le monde extérieur, je vous invite à sentir votre corps. Tel qu'il est. Votre corps qui est telle une entreprise, avec plein de secteurs de vie à l'intérieur de vous. Une entreprise qui prospère du mieux qu'elle le peut. Ou peut-être est-elle un peu au ralenti, votre entreprise qui est votre corps. Avec tous ces secteurs de vie, tous ces organes qui échangent la vie, les informations, entre eux, entre elles. Ressentez votre corps, voilà, comme étant à la fois votre centre de domiciliation. Vous y vivez 24 heures sur 24, au cœur de votre corps. Qu'il soit mobile, qu'il soit alité, qu'il soit avec un handicap ou en santé, vous êtes au cœur de votre corps. Et je vous invite peut-être intérieurement à le remercier d'être là. L'entreprise corps. Il n'y a pas de hiérarchie au cœur de vos organes. Il vaut mieux qu'il y ait la paix entre vos organes, ces différents secteurs de vie dans votre être, dans votre corps. Peut-être y a-t-il des conflits entre vos organes, dans vos cellules, ou la paix, le calme. Contemplez. Contemplez peut-être avec un regard neutre, bienveillant, une entreprise qui fonctionne. Du mieux qu'elle le peut. Autonome. Il y a même en vous des secteurs énergétiques qui parlent d'état d'âme, d'humeur, de climat intérieur, qui viennent comme colorer chacun des secteurs de votre vie en votre corps. Il y a des météos en vous. Et vous goûtez à la présence de votre souffle. Souffle empli d'amour inconditionnel et de sagesse. Et de lumière. Souffle qui est là sans aucun jugement. Le souffle en vous qui ne joue ni aux parents, ni à l'enfant,
ni à l'adulte, le souffle qui œuvre, qui circule, qui aime tout ce qui est là, comme ce qui est là, comme c'est là. Goûtez au souffle qui circule au cœur de votre entreprise, dont vous êtes patron, patronne. Patronne de votre vie, patron de votre vie. Tout en étant simplement locataire ou propriétaire de votre corps. Le souffle qui ne veut que aider à de nouvelles reliances, de nouveaux partenariats, de nouvelles communions, de nouvelles alliances. Le souffle en vous qui ne cherche qu'à rééquilibrer tout ce qui est désunifié, séparé, comme pour recréer l'harmonie. Le souffle est toujours là en vous. Que s'activent des énergies en vous de calme, de paix, ou de colère, de guerre, ou de chagrin, de tristesse, de désarroi. Votre souffle circule comme pour vous offrir un câlin. Avec un détachement juste. Une fluidité. Votre souffle qui va épouser chaque cellule de votre être, toute votre architecture. Cette entreprise vit votre incarnation, votre corps. Et tout le système de croyance est là, qui accueille l'élément souffle. Comme pour effacer sur les ardoises intérieures les phrases limitantes, handicapantes. Pour recréer de nouvelles citations énergétisantes, ressourçantes, inspirantes. Oui, imaginez, sentez qu'une ardoise intérieure vient sur votre champ de conscience pour que vous puissiez
avec votre intention du cœur, effacez les équations qui sont devenues obsolètes pour vous redonner des formules mathématiques inspirantes pour réamener une logique où des équivalences peuvent être régalantes en énergie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à mettre sur cette ardoise intérieure. Il n'y a que le ressenti en vous de ce que vous préférez effacer sur cette ardoise intérieure et de ce que vous préférez noter comme nouvelle équation, comme nouvelle formule. Sous le regard bienveillant du souffle de vie en vous, qui vous aime tel que vous êtes, comme vous êtes. Peut-être même au-delà de cette ardoise intérieure, y a-t-il un tableau qui vous appelle, qui vous attend pour aller inscrire en plus grand ces formules, ces équations que vous souhaitez inscrire au fronton de votre temple intérieur, au fronton de votre vie. Au fronton de votre entreprise intérieure, votre vie. Osez aller rejoindre ce tableau qui vous attend. En lâchant toute idée que vous soyez rejeté, trahi, humilié, en écrivant vos formules, ou peut-être en effaçant les anciennes formules, ou d'effacer là où vous avez l'impression que ça n'est pas encore tout à fait juste. Juste avec l'intention d'écrire, de noter, d'inscrire sur ce grand tableau intérieur, sous le beau regard de vos guides et de la source, ces nouvelles citations intérieures inspirantes, ces nouvelles équations arithmétiques, logiques, pleines d'énergie vitale. Tout comme Einstein écrivit E égale MC2.
Ressentez peut-être, oui, la présence de Einstein, l'énergie de Einstein, qui vient vous rejoindre, tandis que vous continuez de noter, d'effacer, de compléter, de remplacer, d'additionner, de multiplier tout ce qui est bon pour vous sur ce tableau. Vos intentions, vos équations, vos logiques qui vous viennent de la profondeur de votre âme, de votre cœur, de la source elle-même. Imaginez que c'est déjà là, à cet instant. Vous êtes là, dans la posture qui est la vôtre. Vous écrivez déjà vous-même, là, vos équations, vos équivalences, vos phrases, vos citations inspirantes. Accompagné par vos guides, par l'énergie de vos mentors. Non point pour créer votre bombe atomique, non point. Non point pour alimenter les guerres intestines anciennes, non point. Pour recréer ces nouvelles vibrations, ces nouvelles équations visant le calme, visant l'équilibre, visant la force juste. La solidité épanouissante. La conscience professionnelle. Le sens des responsabilités justes. Au cœur de l'entreprise qui est la vôtre, pour contribuer en ce monde, sur cette terre, à plus d'équilibre, d'harmonie entre toutes les entreprises qui existent, individuelles et collectives. Vous faites partie de l'équation. Et vous créez vous-même vos propres équations. Vos propres théorèmes. Vos propres axiomes. Vos propres postulats. Ressentez l'air qui monte même jusque dans vos sinus. Et qui circule dans tout votre corps. Somme algébrique d'amour inconditionnel.
géométrie d'amour, votre corps, votre vie. Pour que les interactions avec autrui puissent être de plus en plus en harmonie. Que les vecteurs puissent s'homogénéiser. Retrouver un juste sens, une juste direction, des distances justes. À cet instant, respirant, vous devenez vecteur de conscience, vecteur d'énergie empli de puissance juste. Pour que vous retrouviez, voilà, davantage en vous la posture de justesse qui vous met d'aplomb, d'équerre, avec l'intention de jouer avec de nouvelles règles. De vous ouvrir à de nouveaux schémas. Où toutes les figures sont les bienvenues dans le grand puzzle de la vie. Non, vous êtes une pièce. Beauté, cette ambiance en vous. Goûtez, accueillez tout ce qui monte en vous. Les sensations, les images, les sons.
vous sentez que cela respire en vous. Tandis que vous pouvez retrouver la conscience de la terre qui est là, sous vous. Ressentez, imaginez la rondeur de la terre. Ressentez, imaginez, oui, que vous pouvez faire le tour de la terre grâce à sa rondeur. Comme si un chemin s'ouvrait là, comme avec un tapis rouge qui se déroule sous vos pieds, tandis que vous vous permettez intérieurement, accompagné de vos guides, d'avancer sur ce tapis rouge qui fait tout le tour de la terre, vous révélant votre propre chemin, votre propre route. Pour qu'à chaque pas, vous puissiez déposer davantage de confiance en vous, d'estime de vous-même. Pour retrouver l'émerveillement d'être en vie, de faire partie du vivant, avec toutes vos équations intérieures, qui ne veulent que s'offrir au monde pour contribuer. À chacun de vos pas, à l'élévation des vibrations de la terre et à l'équilibre en vous et dans votre vie. Ressentez, vous avancez sur votre tapis, un tapis rouge ou d'une toute autre couleur, d'une toute autre forme, qui fait tout le tour de la terre. Indéniablement, à un moment donné, vous allez marcher sur votre propre passé. Avant même de marcher dessus, vous l'aurez dans la ligne de mire, puisque la terre est ronde et que vous avancez toujours et encore. Et plus vous allez avancer là, en respirant tranquillement, sur cette route, avec votre équation personnelle, dans la matrice de la vie, réunifiant tous vos systèmes, plus vous allez peut-être sentir en vous de nouvelles qualités, une nouvelle sensation agréable. Montez en vous à chaque cycle de votre respiration, en compagnie de vos guides, des anges et des archanges, des maîtres ascensionnés. Avancez, sentez.
en tant que vous avancez sur votre chemin. Et puisque la terre est ronde, oui, peut-être que vous avez le sentiment de piétiner le passé, peut-être en avez-vous le désir. Faites. En sentant que vous avancez, peut-être avez-vous envie de déployer votre aplomb, votre puissance juste, votre détermination, votre coloration, issue de votre cœur avec une force juste. Et comme un cultivateur qui cultive sa terre, vous créez un nouveau sillon pour y planter les graines de vos énergies que vous avez envie désormais de cultiver. Accueillez, sentez, accueillez tout ce qui monte en vous lorsque vous faites l'expérience d'avancer sur votre chemin, un chemin qui fait le tour de la terre, votre tapis, les pieds bien sur la terre, peut-être de plus en plus relié à la verticale aussi, au divin, au sacré. Continuez, continuez à avancer sur votre route, ressentez avec comme allié la terre et tous les éléments de la nature. Vous continuez à avancer d'un mouvement juste pour vous, avec comme alliés les êtres dans le monde subtil, vos guides, vos anges gardiens, les anges, les archanges, et avec vos alliés dans l'intra-terre. Accueillez.
et sur votre chemin intérieur, vous apprenez alternativement à avancer d'un pas léger, enfantin, souple, joyeux, espiègle, aventurier, curieux. À la fois sur votre route, vous pouvez sentir que vous avancez d'un pas stable, sûr, sachant voir la beauté, l'émerveillement de la vie, dans une clarté, une lucidité, un détachement juste. Et sur votre route, vous pouvez faire l'expérience d'avancer avec un rythme déterminé, connaissant les règles du jeu, le code de la route dans la vie, sachant où se nourrir et comment se nourrir pour que tout votre être et votre vie soient rassasiés. Vous êtes sur votre route. Tous les autres êtres du vivant sont sur leur propre route, parallèle à la vôtre. Parallèle à la vôtre. Allant à leur propre rythme. Et vous continuez à cheminer sur votre route. Ressentez simplement, vous êtes là, vous respirez, la terre est là sous vous, stable, aimante, fertile. La terre qui tourne sur elle-même, sur son axe. Vous y êtes en sécurité. Que vous soyez immobile ou dans la mobilité, vous êtes là et se déploie toute votre équation personnelle, rééquilibrée, rééquilibrante, pour votre plus haut bien et pour le plus haut bien du plus grand nombre. Goûtez.
accueillez tout ce qui monte en vous. Lorsque vous vous ouvrez intérieurement à tout ce qui est là, tandis que le souffle circule en vous, et que vous vous permettez de vous ouvrir au meilleur pour vous et pour votre vie, pour déployer davantage vos qualités, vos ressources, votre potentiel d'action et votre potentiel d'être. Au quotidien de vos vies respectives. Comme si vous vous laissiez porter, être porté à cet instant, par un nouveau vent léger. Par un souffle qui peut vous emplir du meilleur pour vous et qui vous aidera dans tout ce que vous avez à faire. Dans les heures, les jours à venir, dans les jours à venir, dans les saisons qui viennent, dans tout ce cycle qui est là, accueillez, goûtez. Vous sentez que sur votre route, sur votre chemin, vous pouvez prendre la décision désormais d'avancer vers votre futur en cessant de marcher à reculons, c'est-à-dire de marcher en regardant devant vous le passé. Alors peut-être que vous pouvez décider intérieurement de marcher là, désormais,
avec votre regard tourné vers l'avenir. Oui, le passé est derrière. Et la terre est toute ronde. Alors vous revisiterez à un moment donné le passé depuis une autre perspective, d'autres ressources issues de la profondeur de votre être. Pour que votre croissance en tant qu'âme incarnée dans un corps et une personnalité humaine puisse rayonner avec toutes vos facettes réunifiées, toutes vos équations rééquilibrées, pour aller vers l'inconnu en sachant que vous résoudrez des équations, oui, à une ou deux inconnues, avec simplicité, depuis votre cœur. Depuis votre âme, depuis l'intelligence de votre cœur et de votre âme, avec un esprit clair, des états d'âme ajustés, équilibrés. Et pourquoi pas? Et pourquoi non? Accueillez encore un moment cette nouvelle ambiance énergétique que vous acceptez de se développer en vous, de se déposer en vous, emplie de qualité, lumineuse. Pour terminer ce voyage, ressentez la présence de vos guides et vous pouvez prendre la main de vos guides, leur main énergétique, comme des partenaires d'amour à des partenaires de sagesse. Et à chaque fois que vous serrerez le poing de cette manière-là, ou à chaque fois que vous tiendrez un stylo, un crayon dans votre main, c'est comme si vous alliez être avec et en compagnie, oui, de vos guides, vos alliés énergétiques. Et je vais vous inviter à
Sentir que vous laissez aller tous ces paysages intérieurs, toutes ces sensations qui vont continuer de s'alchimiser en vous agréablement pour revenir complètement dans le ici et maintenant. En retrouvant la conscience de ce lieu qui est là tout autour de vous. Vous êtes là ici, sur ce siège, sur le chemin de votre vie. Tous les pas que vous allez faire désormais, vous les ferez depuis cette énergie en vous, qualitative, rééquilibrée, même si vous ne savez pas très bien comment cela peut être fait. Permettez-vous de faire confiance à la vie, à cet instant, à vos guides, pour vous accompagner au bon endroit, au bon moment, avec les bons gestes, la bonne attitude, le bon climat intérieur dans tout ce que vous allez faire durant ces jours à venir, durant tout ce mois, cette saison, cette année, ou autant de temps que vous le souhaiterez. Et vous amplifiez votre respiration. En décidant d'amplifier l'inspire, comme si vous inspiriez l'énergie de la terre, qui réveille tout votre corps. Vous pourrez bouger votre corps, oui. Vous étirez. Je ne sais pas quelle est la partie du corps qui va bouger là en premier, en deuxième, en troisième. Vous le laissez faire. Et vos paupières s'ouvrent en dernier quand vous vous sentez bien là, de retour ici, maintenant.